Donc c'est un orgue qui a été amené en France en 1930 et qui a été installé dans le Gaumont Palace, qui à l'époque était le plus grand cinéma d'Europe. Il a été construit en 1931, alors que la salle du Gaumont Palace a été entièrement rénovée, telle qu'on l'a connue jusqu'en 1971. Il se composait de 16 séries, ce qui était un peu petit par rapport à l'immensité de la salle, mais il a permis de sonoriser les films, alors avec tous les bruitages dont il était doté. Il permettait de sonoriser également en musique les différentes scènes qu'on pouvait rencontrer dans le cinéma. Et lorsque le cinéma est devenu parlant, c'est-à-dire à peu près en même temps que l'orgue a été monté, l'orgue animait les entr'actes, qui étaient assez nombreux, et on pouvait se souvenir encore, il y a quelques années, du témoignage de certaines personnes qui l'ont connu entre les deux guerres, qui venaient beaucoup plus au Gaumont Palace pour écouter l'orgue plutôt que pour voir un film. Cet orgue est un orgue de cinéma anglais qui a été construit par la firme Christie, qui s'appelle en réalité Hill, Norman & Beard, mais comme le gérant qui s'occupait de toute la partie facture d'orgue de cinéma s'appelait Christie, du coup on estampillait de son nom tous ses instruments. Alors l'orgue du Gaumont Palace, actuellement au pavillon Baltard, se compose de 16 rangées de tuyaux, puisqu'on compte toujours en rangées de tuyaux l'orgue de cinéma, car les différents jeux qui les composent ont ce que l'on appelle des extensions, c'est-à-dire que si votre clavier fait 61 notes, nous allons explorer plutôt 85 voire 97 notes, c'est-à-dire qu'on va toujours rajouter des octaves, soit graves, soit aiguës. Donc nous avons 16 rangs au pavillon Baltard qui sont disposés en plusieurs familles. Nous avons des jeux de gambe, nous avons des jeux de diapason, nous avons des jeux d'anches d'orchestre comme hautbois, clarinette, trompette d'orchestre, tuba, saxophone, et nous avons également des percussions tonales comme xylophone, marimba, glockenspiel et cloche. Et pour garnir le tout, on a ce qu'on appelle le toy counter, c'est un comptoir à jouets sur lequel nous disposons de différents klaxons, triangles et instruments rythmiques tels que caisse claire, grosse caisse, castagnette. Le tout est manipulé par 4 claviers dont 2 sont à double enfoncement et un pédalier lui-même doté d'un double enfoncement. Ce qui fait un orgue déjà assez performant par rapport à d'autres. Alors il a été beaucoup utilisé à partir de son installation, donc en 78-79, jusqu'en gros en 2003-2004. Par exemple, Bernard Dargassi, qui est le titulaire résident, qui est l'organiste résident, a joué plus de 1000 soirées pendant les 20 ans de titulariat. Donc ce qui montre que l'orgue jouait, même si finalement il n'a pas eu une vie publique très poussé. Dès qu'il y avait un événement privé, en fait, l'orgue faisait partie du package qui était vendu avec le pavillon. Alors,
l'orgue Christie actuellement doit pas être très frais. C'est un petit peu comme si vous restiez couché pendant un an. Au moment où vous allez vous relever, vous aurez mal partout, si toutefois vous arrivez encore par bonheur à marcher. Depuis 2007, je ne suis plus sollicité pour jouer cet instrument, ainsi il est muet. Et je pense que lorsqu'on le remettra en route, il y aura beaucoup de petits problèmes, voire peut-être même de gros problèmes. Donc en gros, depuis 10 ans, on a eu très très peu de choses sur l'orgue. Et puis, comme tout instrument, dès qu'on ne s'en occupe plus, ça tombe en désuétude. Comme il y a des peaux, par exemple, les peaux s'assèchent parce qu'elles ne sont pas régulièrement en mouvement, etc. Donc il y avait des choses à faire. Et la mairie a décidé l'année dernière de faire des travaux. Donc, qui ont été réalisés au dernier trimestre l'année dernière. Très peu de modifications ont été apportées. La principale, ça a été sur les transmissions, c'est-à-dire que l'orgue était doté de ce qu'on appelle des répétiteurs, ce sont des armoires de relais qui tenaient environ 40 mètres carrés au Gaumont Palace. Au pavillon Baltard, nous n'avions pas cette place, donc nous avons miniaturisé les relais qui sont toujours électromécaniques, qui offrent exactement les mêmes capacités qu'à l'époque. Alors l'orgue de cinéma le plus petit peut avoir, on va dire, 120 tuyaux. Et vous avez des instruments qui peuvent dépasser les 7000 tuyaux. Quant au bruitage, eh bien, c'est un peu à l'imagination du facteur d'orgue qui pourra mettre sous différents mécanismes ou pneumatiques un petit peu tout ce qu'il aura sous la main, puisque ça peut aller de la vaisselle cassée qui est composée de plaques de tôle qui viennent sur une grosse plaque de fonte. Ça peut être le pas du cheval, le pistolet, l'aéroplane, enfin à l'époque des vieux, pas des jets évidemment. Enfin tout ce qui peut passer par la tête, y compris le bruit de la mer, le bruit du vent, ça c'est pas difficile à reproduire parce qu'il y a des fuites partout. Le sifflet de police, enfin tout ce que vous pouvez. Et puis après, il y a par le biais des tuyaux, par le biais de l'harmonie, alors ça sera au gré de l'organiste que l'on peut encore fabriquer d'autres bruitages. C'est infini. Dans une musique la plus sérieuse, on pouvait toujours faire venir un coup de sirène, un coup de machin comme ça. La cloche des pompiers, c'est pas le pimpon d'aujourd'hui. L'aéroplane, c'est sûr que c'est pas un jet en dehors de ces choses-là. La plus éloquente et la plus évidente, c'est le train. Historique, voilà, je ne sais pas si on peut vraiment dire que ça a une valeur chiffrée. Ce qui est sûr, c'est qu'il a une valeur historique. C'est aujourd'hui le dernier instrument qui reste en France, qui soit dans un endroit public. Voilà, ça fait qu'il a une valeur un peu inestimable. Ainsi, cet orgue a une sonorité, on peut dire, quand même très parisienne. Une sonorité assez particulièrement franchouillarde et française comparativement aux autres orgues Christie. En France, si nous avions 60 orgues de cinéma, grosso modo, on n'en a plus que 3, c'est-à-dire celui du pavillon Baltard, bien sûr, le mien que vous avez derrière vous, qui est un orgue de 10 séries, mais qui est un orgue privé, et j'ai eu la chance de fabriquer un orgue de 3 séries chez un particulier à Château Renaud. Voilà, 3 orgues de cinéma, c'est tout. C'est très peu de choses. L'idéal, effectivement, serait que cet orgue reprenne une place dans un cinéma, ou en tout cas, s'il reste au pavillon Baltard, plus axé sur sa fonction historique, puisque on peut pas vraiment dire qu'il est servi pour le cinéma muet, puisque quand on l'a construit, finalement, le cinéma parlant existait déjà. Donc il a vraiment servi, quand il était au Gaumont Palace, aux entr'actes, accompagné des chanteurs, accompagné éventuellement l'orchestre aussi, puisque au Gaumont Palace, il y avait aussi un orchestre. Voilà, donc effectivement, ce serait vraiment fantastique qu'on arrive à faire ça.
Certes, il serait mieux dans une salle de cinéma ou dans un théâtre, ou même dans un cirque, pourquoi pas, ou dans une salle de danse, ou pourquoi pas au Palais d'Orsay. Au pavillon Baltard, il a été monté sous l'impulsion de Roland Nagesser, qui était le maire à l'époque, qui a eu, comme je vous ai dit précédemment, cette bonne idée aussi de vouloir faire un centre culturel avec un pôle attractif reposant surtout sur le Vieux Paris. Il a été sensible à la présence de l'orgue du Gaumont-Palas dans notre patrimoine, et je trouve qu'il a eu une très bonne idée quand même, plutôt que de laisser cet orgue, puisque depuis 1971 il était démonté. Bah, c'était quand même bien au moins de lui redonner vie. Je dois dire que sans cette opportunité, peut-être jamais je n'aurais eu la chance de restaurer cet orgue, et mieux après d'en devenir l'organiste résident. Donc c'est quand même un point très positif. Mais une fois de plus, dans un cinéma, il aurait beaucoup plus sa place.